bénis nos seigneurs. Nous disons, bon Dieu, merci pour l'opportunité de nous matin, nous capables de travailler ensemble. Pour nous, bon Dieu, gloire, honneur, louange que lui-même seul mérite. Et pour nous manger ensemble le pain de vie, nourriture que le Seigneur préparait pour nous, afin que nous soyons capables de vivre en bonne santé spirituelle. Nous saluons nos bien-aimés dans le Seigneur, que grâce et paix, bon Dieu, avec nous. Amen. Nous bénissons le Seigneur. Hein? Nous disons, bon Dieu, merci, nous capables ensemble matin hein? Pour nous glorifier nos bon Dieu. Nous disons, bon Dieu, merci pour ça. Nous capables de dire deux mots pour lui. Dans le sixième jour, ma semaine de visitation divine, ta semaine de visitation divine, sa semaine de visitation divine, notre semaine de visitation divine. Nous saluer, bon Dieu, et nous dire merci, que nous le bénis, que nous le magnifier, que nous le glorifier. Et matin, bien-aimé, disposez cœur pour capable tendre parole, bon Dieu. Disposer cœur pour capable méditer parole, bon Dieu. Amen. Amen, amen. Alléluia. Gloire à Dieu. M'a invité à l'ouvrir la Bible avec moi. Nous pourrons aller dans un premier temps dans Deutéronome chapitre 28, le verset 12, que nous connaissons très bien. Deutéronome 28, verset 12, qui ça lui dit? Il dit l'arrêter dans le ciel là, la louvrir très joli, la voyer la plus sous saison arriver. La bénir tout travail n'a fait, n'a gain de quoi pour nous prêter monde, nous pas jamais n'a besoin prêter. Amen. Merci Seigneur. Nous praler dans Luc, chapitre 1er, les versets 78. Et 79. Qui ça lui dit? Il dit tout ça parce que bon Dieu nous a un cœur sensible. Il remet nous en pile. La feuille de lumière sortit en haut, vient éclairer nous tant que le soleil qui a pleuré. Il vient pour éclairer tout le monde qui vit dans le fait noir, ak dans l'ombre et la mort. Ligue pour le faire nous marcher dans le chemin qui va nous faire poser. Amen. Amen. Adorable Père Saint Jésus, Papa, nous qui est dans le ciel. Nous disons merci pour la parole. Nous bénissons, nous exaltons, nous glorifions et nous disons merci. Pour moment ça. Merci pour matinée ça. Merci pour sixième jour, ma semaine de visitation divine, Seigneur. Merci pour parole. Et permette à ce que matin, Seigneur, nous chaque capable de joindre nos paroles. Parole qui pour éclairer, parole qui pour édifier, parole qui pour libérer, parole qui pour transformer, parole qui pour diriger et non va glorifier. C'est comme ça que nous prions, Père, au nom puissant de Jésus. Amen. Merci, Amen. Seigneur. Porte ciel là l'ouvrit pour lumière à venir éclairer tout le monde qui vive dans le fait noir. Yes, Lord. Alléluia. C'est thématique ça, mes bien-aimés, c'est thème ça que le Seigneur bannou pour ma semaine de visitation divine. Et semaine de visitation divine, elle est tombée dans un mois que le Seigneur t'a déclaré moi du trésor. Côté l'Éternel te dit nous, dans Deutéronome 28, 12,
l'Éternel t'ouvrira son bon trésor. Et trésor ça, l'Éternel te l'ouvrir pour mois de décembre. Et nous, vraiment, trésor l'Éternel l'ouvrir pour mois de novembre, pour mois de décembre. Nous, c'est obéissance, c'est une bénédiction pour les gens qui obéissent. Trésor, l'Éternel a l'ouvrir, porte ciel là, c'est pour les gens qui obéissent. Nous, que ça, c'est une condition, hein, bénédiction, hein, c'est une bénédiction pour les gens qui obéissent. Parce que c'est ça, nous, ouais, dans le listing de Deutéronome 28 là, nous, ouais, c'est liste bénédiction pour les gens qui obéissent. Et où est tellement, mes bien-aimés, bon Dieu, remet nous. Bon Dieu, tellement sensible pour Peuple Light and Peace Ministry. Bon Dieu, tellement vle nous river côté li vle nous river. Bon Dieu, tellement vle nous vin moun li vle nous yé. Bon Dieu, tellement vle nous sembler, nous camper, j'en nous vle le camper, j'en nous vle, j'en livle nous camper, ya. Li mette visitation, hein. Li associe, li mette nan bénédiction. Lorsque li vin di ou, potiel la louvri, pou li mye, ya, vin clairer tout le monde qui vive dans le feu noir. Pour qui ça, bon Dieu, fait ça? Pour qui ça, bon Dieu, dis-moi, porte celle-là, l'ouvrit pour lumière vin clairer tout le monde qui vive dans le feu noir? Ou après, le bandit était tout, est-ce que ma vive dans le feu noir moi-même? Mba konnen sou ap viv nan fè noa. Bon Dieu konnen. Nou pa konnen ki es k'ap viv nan fè noa. Nou pa konnen ki es ki nan fè noa. Nou pa konnen ki es ki panse ke yo nan lumye epi se nan fè noa yo e. Nou pa konnen. Men bon Dieu konnen. Men bon Dieu di ou pot siel la louvri? Pour lumière avec éclairer tout le monde qui vit dans le feu noir. Et l'île ouvrit. L'île ouvrit nos semaines, côté mes bien-aimés, depuis semaine a commencé, le Seigneur servit avec serviteur, servante li, nous dit bon Dieu merci pour yo. Nous dit bon Dieu merci pour tout serviteur, servante li yo, que li te utilisé pour te parler avec peuple li. Pour t'enseigner peuple sur thème ça. Nous disons, mon Dieu, merci pour servante Lio, merci pour serviteur Lio. Mes bien-aimés, le Seigneur voyait parole li, li parle parole Lio comme ça. Et parole, bon Dieu, laissez vie, parole bon Dieu, laissez lumière. Parole là, c'est vérité. Voilà que l'il dit, tout ça, regardez verset 78 là, il dit tout ça, parce que bon Dieu, nous, il est qu'est sensible, il remet nous en pile. Français a dit, grâce aux entrailles de la miséricorde de notre Dieu. C'est vrai, c'est bel français, aux entrailles. Pour le montrer, nous, dimension, hein, dimension qu'est sensible là, et ça quelque chose là d'où, tout ça parce que, bon Dieu, nous, on est qu'est sensible. Pour le montrer, nous, à quel point que mes bien-aimés,
soleil levant, li dou la fè yon limye soti an wo vin klere nou tan kou soleil k ap leve. Le soleil levant, en vertu de laquelle le soleil levant nous a visité d'en haut. Le soleil levant nous a visité d'en haut, la fait une lumière sortie en haut, vient éclairer nous tant coup soleil qu'a levé. Ligue pour éclairer tout le monde qui vit dans le fait noir à Clombois et Lambo. Et même moun nan nouye. Même moun nan nouye. Fè noir, l'ombre et l'ambo, même bagaille. Et ça fait la Bible dit qu'on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Matthieu 1er 23. Donc, bon Dieu, visitez nous aujourd'hui, à mes bien-aimés. Les visitez encore. Vous ne comprenez pas? Bon Dieu, visitez-vous semaine. L'est là avec vous. La frappe n'importe la chaque, la frappe n'importe chaque cœur. L'est frappe n'importe chaque cœur. Parce que l'est vle ou recevoir. L'est vle ou recevoir visitation. Et ces visitations, ça cap changer tout le bagage dans la vie. C'est visitation ça qui a changé tout le bagaille. C'est visitation ça qui détermine pour vous. C'est soleil levant qui détermine pour vous. Parce que le cas il n'a pas reçu le soleil, le cas il n'a pas reçu le soleil, pas gagné la vie dans le cas ça. Le cas il n'a pas reçu le soleil, là, mes bien-aimés, cas ça, les senti. Kay sa senti ou oblige l'ouvrir portou pour soleil rentrer. Le soleil pas rentrer dans kay la, mes bien-aimés, kay la senti. Le Seigneur parle au dégager odeur. Et c'est ça que li vini li tellement remé on, li tellement remé on que li vini li vle changer, li vle changer. Li vle retire nan fè noir, li vle retire odeur ki dan la vie ou la. Li vle retire odeur. Le soleil levant qui éclaire nos ténèbres et nous fait marcher dans la lumière de la présence et de la gloire de Dieu. Frère Maxime, yo bien-aimé dans le Seigneur, bon Dieu vle visiter ou. Et livre fait de ou même qui l'a aujourd'hui, ou même qui l'a pendant toute semaine, livre fait de ou un témoignage vivant de yon vrai Dieu. Livre fait de ou un témoignage vivant de yon bon Dieu vivant. Livre fait de ou un témoignage vivant de yon bon Dieu vivant. Livre fait de ou un témoignage vivant de yon bon Dieu vrai. Qui ça va faire ou même? Qui ça va faire ou même? Est-ce que vous avez ouvert le cœur? Est-ce que vous avez ouvert la vie ou? Vous avez ouvert la caille? Est-ce que vous avez cru dans la beauté ça? Est-ce que vous avez cru dans le remède ça? Dans le cœur sensible ça? Est-ce que vous avez cru la donne? Ou bien on va fermer caillou là, ou bien on va rester avec porte caillou fermé. On va fermer dans orgueil ou. On va fermer hein, dans incrédulité ou. On va fermer dans peur. Est-ce que on va fermer porte tout à secours? On va fermer porte tout à grâce là. Et ça va faire? Qui répond ça? Parce que visitation, mes bien-aimés, le bon Dieu a visité. Le bon Dieu d'où porte ciel là l'ouvrit. Pour lui, il y avait une clairée tout le monde qui a vécu dans le fait noir. Il n'y a pas de vouloir vivre dans le fait noir, il n'y a pas de vouloir vivre dans l'odeur encore. Il n'y a pas de vouloir gagner l'odeur. Parce que visitation, c'est intervention personnelle, mon Dieu,
dans la vie ou lorsque les songe ou et c'est ça oui les songe ou que sensible là les remet en pile que ça fait la visiter ou ça fait psalm semble dire ou le Seigneur rejettera-t-il pour toujours, ne sera-t-il plus favorable? Sa bonté est-elle à jamais épuisée? Sa parole est-elle anéantie pour l'éternité? Dieu a-t-il oublié d'avoir compassion? A-t-il dans sa colère retiré sa miséricorde? Autant de questions qu'on est capable de poser. Autant de questions qu'on pose tout le temps. Lorsque bagayo paraît difficile pour vous, réponse, mes bien-aimés, c'est et non. Bon Dieu, pas oublié, non. Bon Dieu, pas oublié. Son impression qu'on gagne, c'est pas vérité. Bon Dieu, pas jamais oublié personne. Il n'a pas oublié que le compassion pour. Il n'a pas oublié ça le palavre. Sa parole, il pour, il n'a pas anéanti. Miséricorde, bon Dieu, favel toujours disponible. Qui renouvelle chaque matin. Bon Dieu veut visiter ou dans la détresse ou quelle que soit nature. Nous passons une semaine terrible. Bon Dieu visite dans une semaine terrible, moi. Dans une semaine difficile, moi. Semaine réellement difficile pour moi. Nous sommes très loin. Est-ce que je suis capable de dire, bon Dieu, pas là? Bon Dieu, oublié? Non. Bon Dieu, visite dans la difficulté, dans le malaise, moi. Je vais céder à toute parole que l'autre a fait passer dans les oreilles, moi. Qui fait quoi que bon Dieu a frappé? Je vais attendre. Bon Dieu, pensez à moi. Lui, songez. Nan difficulté nan li la avèm. Visitation bon Dieu mes bien-aimés, c'est bon Dieu qui rive nan histoire la vie ou pour changer l'ordre des choses et pour changer le cours des choses et les circonstances. Bon Dieu fait. Dans la Bible, nous voyons qu'il y a des hommes et des femmes qui engagés, ils ont invoqué Dieu, ils ont engagé, ils ont cherché une intervention dans la vie. On fait partie de Mounsayo, quelle que soit la situation. On n'a pas gagné l'autre ça pour faire. Invoquer le nom de Dieu. Seigneur, songez-vous dans la miséricorde. Il n'a jamais été indifférent à appel au secours à faire. À SOS soit placé à lui-même. C'est ça, une visitation, bon Dieu. Souffrance n'est pas là pour longtemps. Difficulté n'est pas là pour longtemps. Fais, bon Dieu, confiance. Bon Dieu, songez parole, il songez alliance que le fait avoir. Visitation, bon Dieu, pour songer mes bien-aimés. Qu'on ait bien ces manifestations miséricorde, bon Dieu, même lié. C'est manifestation compassion bon Dieu dans bassesse et dans souffrance l'homme et ça que fait bon Dieu dit ou porte ciel là l'ouvrir pour lumière à venir éclairer tout le monde qui vit dans fait noir ça fait bon Dieu mal l'elle garde ou qui vit dans fait noir l'elle garde qui dans l'ombre et en mort ça fait le mal on en souffrance. Ça que fait dit, l'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte et j'ai entendu les cris que lui font penser pour ses oppresseurs car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Hétiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Éviens, les Jébusiens. Voici les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Bon Dieu dit clairement, mes bien-aimés,
S'il te voit souffrance peuple là hier, il ca voit pour là tout. Yo t'es dans esclavage ou même ou prend l'autre forme jodi a. Mais connais bien. Bon Dieu gagne Dieu pour louer. Souffrance ou, quel que soit nature li, quel que soit forme ni. Li gagne oreilles pour le temps des cris yo, pour le temps des pleurs yo, pour le temps des prières et li gagne cœur pour le connaître. Ça que ou a éprouvé. Li sensible à douleur, li intéressé et li préoccupé à souffrance ou. Satan a déployé toute qualité artifice, toute qualité ruse pour le faire croire le contraire. Mais bon Dieu, je voulais réjouir. Il n'est pas voulu réjouir de humiliation, de affliction, mais il voulait intervenir. Sous la souffrance, je dis, sous la difficulté, je dis, semaine ça et semaine pas. Sous l'enfer noir, je dis, semaine ça et semaine pas. Ou son beau candidat à visitation. Ou son beau candidat à visitation divine. L'op expérimenté visitation divine, souffrance ou yo. Jodia avait un chant de louange, avait une allégresse pour demain. Voici mes souffrances, même sont devenues mon salut. Tendez paroles ça. Et Luc même dit toujours, et mon esprit se réjouit en Dieu, mon sauveur, parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. Luc 1er, verset 47-48. Mais bien aimé, fais que compte un matin, hein, parce que le Seigneur fait grâce, il visite vous, dans la souffrance, vous, dans la douleur, vous, dans la malaise, vous, et il passe avec vous. Que le Seigneur bénisse. Amen. 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 Amen.